أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces, pour ses grâces infinies, pour ses grâces qui n'attendent rien à retour venant de nous. Allah nous demande juste de l'adorer. Et c'est pas parce que notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala augmente Allah dans sa divinité et que si nous arrêtons de l'adorer, il va se sentir mal ou bien ça va diminuer sa royauté ou qu'on sort. Non. Allah vraiment est dépendant de nous, est indépendant de nous, il s'en fout de nous. Donc nous remercions Allah pour ces grâces-là. Et nous demandons à Allah de nous accroître toujours en bienfaisance, en grâce. Qu'Allah exauce tous nos vœux, qu'Allah pardonne à tous nos défunts. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans le cours de la jurisprudence musulmane. Donc, on a pu parler des deux différents types, parmi les trois, des saignements ou des sangs venant des femmes. On a parlé de la menstruation. On a parlé des louchis. Et sans plus tarder, sans même poser beaucoup de questions aujourd'hui, nous allons entamer le troisième type qui est al-istihada en arabe. On a dit qu'il y a trois types de sang qui saignent des femmes. Il y a deux qui sont naturels. La menstruation al-haïd est naturelle. C'est Allah lui-même qui a fait comme ça. Et ça fait du bien à la femme même, en fait. Donc, il y a la menstruation qui est naturelle. Il y a les louchis qui viennent aussi pendant l'accouchement. C'est naturel aussi, ce n'est pas la maladie. C'est le troisième type, le troisième groupe de sang qui vient des femmes qui est considéré surnaturel. Ce n'est pas naturel. C'est considéré comme maladif. Et c'est de ça, Inch'Allah, ta'ala, on va parler aujourd'hui. En arabe, on dit « al-istihada ». En français, c'est la « métrorragie ». En terme français, la « métrorragie ». Et même en français, c'est une hémorragie utérine qui se produit en dehors des règles. Une hémorragie, un saignement utérin qui vient de la matrice de la femme, là où l'enfant est conçu, dans le ventre de la femme. Ça vient de là-bas et qui se produit en dehors des règles, car les règles sont naturelles. C'est Allah lui-même qui l'a mis comme ça. Mais quand c'est en dehors, là ça devient ce qu'on appelle al-istihada, la métrorragie. Et même en arabe, c'est la même définition. Quand on dit al-istihada, d'abord, ça vient dans al-istihada, on sent même déjà al-hayd. Istihada, istif'alun min al-hayd. Hada, istihada. Et en arabe, sayalanu dami fi ghayri waqtihi. Comme la définition même en français. Même quand vous rentrez dans le dictionnaire, la Larousse par exemple, et vous écrivez la métrorragie, c'est la même définition qu'on va vous donner. L'hémorragie utérine qui se produit en dehors des règles. Et cette hémorragie, ce saignement qui se produit en dehors des règles, c'est ce qui est appelé al-istihada, comme on a dit. Et nous avons besoin de connaître, car les règles que nous avons dit dans la menstruation et les louchis, ces règles ne sont pas appliquées ici.
Et lorsqu'on ne connaît pas la différence, ça peut vraiment nous mélanger. On va faire des choses dans des périodes qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire, ce qu'on ne doit pas faire dans le haïd, tu ne vas pas faire les mêmes choses dans l'istihada et c'est une erreur. Donc, il faut connaître ces différents sujets. Ça, c'était la définition. On a donné la définition. Le deuxième point que nous devons connaître dans ce chapitre, c'est la différence entre ces sangs-là. Et la différence entre le sang de la menstruation et le sang de la métrorragie. Al-farqu bayna dami al-hayd wa dami al-istihada. Parce que ça va nous servir quelque part. Si tu ne connais pas cette différence-là, quelque part, tu seras mélangé. On a besoin de connaître la différence entre ces deux sangs. Et ce que les savants ont dit, d'abord, la couleur. Dami al-hayd yamilu ila sawad. Le sang de la menstruation tire vers le noir. C'est le rouge qui tire vers le noir. Il faut connaître cette différence. Pourtant, celui de l'istihada, la métrorragie, c'est vraiment rouge et qui tire vers le jaune. Ça, c'est la première différence. Le sang de la menstruation est rouge qui tire vers le noir. Le sang de l'istihada est vraiment rouge qui tire vers le jaune. La première différence. La deuxième différence, damu al-haydi thakhinun wa damu al-istihadati raqiqun. Le sang de la menstruation est lourd. Pourtant, celui de l'istihada est faible. Troisièmement, damu al-haydi lahu ra'ihatun kariha wa damu al-istihadati la ra'ihata la. Le sang de la menstruation dégage une mauvaise odeur. Pourtant, celui de l'istihada n'a pas d'odeur. Ou n'a pas d'odeur précise. Donc, la quatrième, damul haydi yakhrudu min aksar rahim. Wa damul istihadati yakhrudu min adna rahim. Min irqin yuqalu lahu aadil. Le sang de la menstruation vient de l'utérus, de la matrice de la femme, là où l'enfant est conçu, là où Allah crée l'enfant, mais à une partie haute, loin, une partie lointaine, vers la poitrine. Et le sang de l'istihada vient toujours de l'utérus, mais dans la partie basse. La cinquième différence, lorsque le sang de la menstruation coule, ça saigne, il se coagule. Mais pourtant, le sang de l'istihada ne se coagule pas après avoir saigné. Cette différence-là, on doit les connaître parce qu'on aura besoin de ça ailleurs. Je reviens sur la différence. Pour qu'on comprenne plus. J'ai dit, la différence entre ces deux sangs-là, le sang de la menstruation et le sang de l'istihada, le sang de la maladie, la couleur d'abord, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire une femme qui connaît cette différence-là, elle n'aura pas de problème dans les règles qu'on va citer après. Le sang de la menstruation est rouge qui tire vers le noir. Le sang de l'istihada est rouge, vraiment rouge, qui tire vers le jaune. Deuxièmement, le sang de la menstruation est lourd, l'autre est faible. Troisièmement, le sang de la menstruation dégage une mauvaise odeur, l'autre n'a pas d'odeur. Quatrièmement, le sang de la menstruation vient de la partie haute de l'utérus et l'autre la partie basse. Et cinquièmement, le sang de la menstruation se coagule, pourtant l'autre ne se coagule pas. Ça, c'était le deuxième point de notre sujet qui est à l'istihada. Le troisième, les différents états de la femme qui est en état de l'istihada. Une femme que ce sang de maladie coule en elle ou bien saigne en elle, il y a des différents états.
Il y a une femme qui avait son ombre habituelle, c'est-à-dire elle voyait le sang de la menstruation normale et ça faisait par exemple 7 jours avant que l'istihada ne vienne. Donc après un moment, lorsque ce sang de la maladie est venu se mélanger dans ses calculs, elle savait qu'elle avait déjà 7 jours auparavant. Il y a cette femme-là. Deuxièmement, et c'est seulement la période qu'elle connaît, elle savait qu'elle avait 7 jours dans le mois. Le deuxième femme, ou bien le deuxième état que la femme peut être dedans, c'est une femme qui avait une période, un nombre connu, habituel, et ensuite, il y avait une différence. Le sang de la menstruation donne une différence par rapport à l'autre sang. Le troisième état, c'est une femme qui avait seulement la différence, elle ne connaissait pas, il n'y avait pas la période. Et la quatrième, c'est la nouvelle femme. C'est cette femme-là, nouvellement, qui venait de voir sa menstruation pour une première fois et s'est mélangée avec le sang de la maladie. C'est important de connaître ces différents états, ces différentes femmes, pour pouvoir donner les règles suivantes qu'on va donner. Un, cette femme qui avait une période, qui avait un nombre connu, elle voyait la menstruation 7 jours dans le mois, et c'est le début du mois ou bien le milieu ou la fin. Lorsque ce sang de maladie vient mélanger ses calculs, et ce sang-là, souvent ça peut être continuel, c'est-à-dire 30 jours sur 30, ça coule. Et généralement, ça coule faiblement. Donc cette femme qui avait ces 7 jours-là, qu'elle se réfère toujours à ces 7 jours. Les 30 jours maintenant, elle est maladive. Elle a le saignement durant tous les 30 jours. Mais elle avait 7 jours avant que la maladie ne vienne, qu'elle tienne compte de ces 7 jours. Le deuxième groupe de la femme qui avait la période, le nombre connu, ainsi que il y a une différence dans le sang qu'elle se réfère soit à la période selon la divergence entre les savants, soit à la différence qu'elle peut avoir entre les deux sangs. Et le troisième, j'ai oublié, c'était une femme qui avait cette période et cette différence, mais elle a oublié. Elle savait, elle avait un nom bien sûr, mais elle ne sait plus c'est combien. Ou bien elle connaissait la différence, mais finalement elle a perdu la différence. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme-là tient compte des femmes de son genre. C'est-à-dire elle sait que les femmes comme moi, à peu près ont 7 ou 6. Elle tient compte de ça. Et le quatrième groupe de femmes, c'est cette nouvelle femme. Cette femme qui vient de voir sa menstruation nouvellement et s'est mélangée avec le sang de la maladie. Donc celle-là, elle tient compte de 15 jours, comme on avait dit. C'est-à-dire, cette femme-là, la petite fille-là, de peut-être 12 ans ou bien 14 ans, qui va voir sa menstruation nouvellement, et ça va continuer. C'est-à-dire, au lieu de 15 jours, ça continue, elle va s'arrêter seulement aux 15 jours. Elle va arrêter de prier, elle va arrêter de jeûner seulement dans les 15 jours. L'autre femme qui avait 7 jours seulement, elle va arrêter de prier seulement dans les 7 jours. Les autres jours, elle continue. Et selon le rite maliki, elle doit ajouter 3 jours sur les 7 pour que ça soit 10. On avait déjà expliqué tout cela. Donc j'espère qu'on a compris ces différents types de femmes selon leur état habituel. Est-ce qu'elle avait un homme habituel ou pas? Et lorsque le sang de la maladie qui est l'istihada vient, comment elle doit se comporter? Comment elle doit calculer? Ça, c'est notre troisième point. Et le quatrième point, quel est le jugement de la femme qui a un état de l'istihada, de la maladie? Comment elle doit se comporter? Quelles sont les règles spécifiques à elle? Les savants nous disent que « Hukmul mustahada » Une femme qui a le saignement de la métrorragie
Elle est considérée comme propre. Elle n'est pas impure. Une femme dans l'état de la menstruation est impure. Yasalunaka anil mahid, qul huwa adha. Ils vont venir t'interroger concernant la menstruation. Dit que la menstruation est une impureté. Donc une femme en état de menstruation est impure. Une femme en état de loshi est impure. Mais une femme en état de l'istihada, la métrorragie, n'est pas impure. Elle est propre. Elle a la règle de la femme en état de propreté, en état de pureté. C'est ce qu'on doit retenir d'abord. Mais il y a d'autres règles qui lui seront prescrites. Et ces règles-là, un, comment elle doit se laver? Est-ce qu'elle se lave ou pas? Bien sûr qu'elle se lave. Je prends un exemple. Cette femme-là, qui avait dans le mois 7 jours, maintenant c'est malade, c'est mélangé avec le sang de la maladie. Donc durant tous les 30 jours, elle voit le sang. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Les 7 jours habituels qu'elle faisait là, dans cette période, elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Lorsque les 7 jours finissent, elle doit faire la janaba. Elle se lave. Là, c'est obligatoire sur elle. Non? Oui. Selon, j'ai dit ça ici, selon le rite maliki, après les 7 jours, elle ajoute 3 jours. Et elle se lave. C'est bien de préciser. Elle se lave. Elle doit obligatoirement faire la janaba. On va dire que mais le saignement continue. Oui, ça continue, mais elle lave la janaba une seule fois et c'est fini. C'est ce qui est obligatoire sur elle. Mais il y a des savants qui vont dire qu'elle doit se laver pendant, pour chaque prière. Mais nous ne sommes pas avec cette position. Nous ne sommes pas avec cet avis, non. Nous sommes avec l'avis qui dit qu'elle se lave une seule fois et puis c'est fini. Donc sur les 30 jours, après les 7 jours, ajouter les 3 jours, ça fait 10 selon le rythme maléfique. Elle se lave la janaba une seule fois, puis c'est fini. Les 20 jours restants, elle ne fait pas janaba. Calant dans la bonne compréhension et la mise en pratique. Ça, c'était concernant la janaba. La deuxième règle, l'ablution. Elle doit faire l'ablution pour chaque prière. Une femme en état d'al-istihada, la prière du matin, elle va faire l'ablution. La prière de jour, elle va faire ablution. La prière de Asr, elle va faire ablution. La prière de Maghrib, elle va faire ablution. La prière de Isha, elle va faire ablution. Toutes les prières doivent faire l'ablution. Vous voyez? On dit qu'elle est en état de pureté, mais ici, il y a une exception. Une femme pure, qui n'a pas de menstruation, ni loshi, ni le sang de istihada, elle ne fait pas d'ablution tant que son ablution n'est pas annulée. Mais la femme en état d'al-istihada, même si elle n'a pas laissé le vent, l'urine, tout ce qu'on avait dit là, elle doit obligatoirement faire l'ablution, la petite bien sûr, pour chaque prière. C'est l'exception. La troisième règle exceptionnelle, elle doit laver les traces du sang avant chaque prière. C'est-à-dire, avant chaque prière, elle doit rentrer dans la douche, se purifier. Enlever le sang et se protéger et ensuite faire l'ablution avant de prier. Je reprends. Cette femme-là qui est en état d'al-istihada, le sang de la maladie, la métrorragie, parmi les règles qui la concernent, elle doit avant chaque prière rentrer dans la douche, se purifier, enlever le sang et se protéger, comme on comprend bien le sens. Ensuite, elle fait les ablutions, la petite, et elle vient faire la prière. Pourtant, une femme qui n'est pas en état de al-istihada, ce n'est pas obligatoire qu'elle rentre chaque fois dans la douche prisée. Il y a des parents qui comprennent ça mal. Et on nous-mêmes obligeait que est-ce que tu n'as pas laissé le vent, tu n'as pas gazé. Donc il faut rentrer dans la douche pour se purifier. Non, 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 ça c'est pas vrai. Ce n'est pas juridique. Tant que tu n'as pas fait l'urine, tant que le maju n'est pas sorti, tant que le wadu n'est pas sorti, tant que la selle n'est pas sortie, on ne rentre pas dans la douche pour se purifier, non. Simplement pour les gaz, non. On ne rentre pas dans la douche. Donc une femme dans l'état de la pureté, elle est même choquée comme un homme. Elle ne rentre pas dans la douche pour se purifier. Mais lorsqu'elle est dans l'état de al-istihada, dans ce cas, c'est obligatoire qu'elle rentre
pour enlever le sang. Et ajouter à ça, elle se protège avec les protèges qu'elle connaît et elle fait la prière. La quatrième règle, c'est le rapport. Les rapports charnels entre elle et son mari. Est-ce que son mari peut venir à elle dans le sens de lit ou pas? Nos savants musulmans sont divergés sur ce point. D'autres disent que non, le mari doit s'abstenir. D'autres disent que le mari ne doit pas s'abstenir. Et c'est la majeure partie qui dit que le mari a le droit, a la permission de venir à elle. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plus de 15 femmes qui étaient en état d'al-istihada. Et le prophète n'a pas interdit à leur mari de venir à elle. Mais nous, avec la modernité et avec aujourd'hui la médecine qui a avancé, on va dire qu'il faut consulter le gynécologue. Il faut aller voir le docteur d'abord, lui expliquer, ah, madame a tel problème. Comment on fait? Est-ce qu'on peut faire les rapports ou pas? Peut-être qu'il peut faire des examens et il va dire, ah, le sang qui vient là, peut-être qu'il y a telle infection, toi le mari, ça va te faire tel tort ou tel tort. Ou bien la cause de ce saignement là, c'est dû à ça et ça et ça. Lorsque vous allez faire le rapport, ça va nuire à la femme. Et voilà l'importance d'avoir plusieurs femmes ici. L'importance d'avoir deux, trois femmes, voilà. Si madame a ce problème et le docteur dit que ah, tu ne peux pas venir à elle, c'est fini, ça va chauffer, hein? Qu'Allah nous aide. Ça, c'est dans une parenthèse. Donc, on continue. La cinquième règle. Il y a des savants qui ont autorisé à cette femme en état de al-istihada de mettre, d'accumuler les deux prières, jour, asr, maghrib, isha. Parce que ce saignement-là, ça rentre dans le cadre de la maladie. Et c'est une excuse valable, selon ces savants, pour que la femme accumule les deux prières. Nous savons très bien qu'il n'est pas permis en islam de faire la prière de jour, asr, ensemble, maghrib, ensemble, tant qu'il n'y a pas d'excuse valable. Mais lorsqu'il y a une excuse valable, telle que la pluie, on peut mettre Maghrib et Isha ensemble. Telle que le voyage, on peut mettre jour, asr ensemble, Maghrib et Isha ensemble. Par contre, la prière de Fajr, on ne met pas ça avec une autre prière, non. Elle reste seule. Donc cette femme-là, qui a ce problème, au lieu de chaque fois, elle va faire l'ablution, chaque fois, elle va se nettoyer. Regardez comment c'est difficile. Et même souvent, dans la médecine, on va dire que Le fait que la femme fait sa toilette chaque fois là, ça s'appelle la nuit. Donc pour éviter cela, peut-être qu'elle va se faire la toilette 5 fois par jour. Elle va faire l'ablution 5 fois par jour. Elle va se protéger 5 fois par jour avant de prier. Donc il y a des savants qui ont permis, qui ont donné cette permission à la femme là, qu'elle fasse la prière de jour à son ensemble, dans une seule heure. C'est-à-dire, elle rentre dans la douche, elle enlève le sang, elle se protège, elle fait l'ablution, elle vient faire jour à son ensemble, c'est fini. Au moment de la prière de Maghrib, elle rentre dans la douche, elle se purifie, elle se protège, elle fait l'ablution, elle vient faire Maghrib et Isha ensemble. Vous voyez que la toilette sera faite deux fois seulement, au lieu de cinq fois. L'ablution deux fois au lieu de cinq fois. Excepté Fajr, bien sûr. Si on ajoute Fajr, 3 contre 5. Donc là, c'est un allègement. Et l'islam est basé sur l'allègement. Islam ou mabniyun ala raf'il haraj. Lorsqu'il y a une contrainte, l'islam nous donne toujours la facilité. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, j'espère qu'on a compris ces règles-là. Je reviens pour qu'on comprenne mieux. Une femme en état de al-istihada, le sang de la métrorragie, ce saignement qui n'est pas normal là, elle est considérée comme pure, elle n'est pas impure. Mais il y a une différence entre elle avec les autres femmes pures. Donc il y a des règles la concernant. On a cité 5. 1, elle fait la janaba une seule fois et c'est fini. Lorsque la période finit. 2, elle fait l'ablution pour chaque prière. 3, elle doit enlever le sang, se purifier, faire sa toilette avant chaque prière et se protéger.
4, son mari peut lui venir dans le sens du rapport. Et selon d'autres savants, non. C'est-à-dire cette divergence-là, c'est parce que c'est une femme de istihada. Sinon, une femme pure, il n'y a pas cette divergence. Donc, 4, il y a des savants qui ont permis pour la femme en état d'istihada d'accumuler les deux prières Zour As ensemble et Maghrib Isha ensemble. Donc, voici ce que nous avions préparé pour l'istihada. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. Et Alhamdoulilah, on a fini avec ce chapitre. Alhamdoulilah, mais à la fois, quand on a dit que nous avons 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 joli mimbe bon musula alaban amo joli sou sabale we bon musula mola afolo haida joli amo o e normal le we kenya retali ala era le o ke musula aflana o e bangé joli o fana e normal le we kenya retali ala le fana e o ke musula asabana o le te normal le o le banaye abe wole ko al istihada rabkana abe wole amafo anga julakana ko bana joli. Au banajoli, abe Sénèque avant Moussoula Mourola, Wurati la minte Haïda Wurati. Moussoula Mourola, quand on a long, Franfasia Mounionche, Tanfara Mimbe, différence Mimbe, Joli Flan, Haïda Joli, Alin Banajoli. A différence, follow follow, Haïda Joli, Boulemane, Mimbe Samakatra Fima Fanfe. Vous même mettre là, fima fin fait. Doit être fini, qu'on se fait. Nga banajoli ou vous le nini. Abe sama katara nere mouvement fin fait. Ou y a différence pour le foloye. Différence flana. Haïda joli ou kagli. Ou kagli. Nga banajoli ou mangli ou kafere. Ou y a différence flana. A sabana. Haïda joli kasa gobay alela. Nga banajoli kasate alela. Annanina Haïda Joli obé bo denso sans fela lila. Banajoli obé bo denso adou malala. Ala be den blamousou konola yoromi. Alors na ni Haïda Joli bola abe simi. Abe franjongon kam. Nga banajoli alete simi. Ni différence ni loni kanga ke mousou la. Parce que amena na kiti mi mfo ni ma ni lon tumado abe nyan anima. Au conseil, anga fin sabana mi amina kumaka muso be lahia damadamani banajoli toula muso banajoli tou kelembei la d'accord malé bolo, c'est-à-dire aller s'entend que par exemple problème tout aller là banajoli tout te bo aller là s'entend quoi faire banajoli commencer là kabo o banajoli misala bolo va essayer que kalo kelin complet na kelate abina différence non trois mais aka haida ni aka banajoli chez. Au cours de nos jours, la d'accord mais à l'effet, malgré ma séquence différente, long, bangé la d'ajoli, ani banajoli n'je. Donc allez va kedi. Mais à calon ko calon bedam ne l'allé, na haïda tu mena tli wolum la. Wala ma chema, wala ma labana. Oh, donc wolum au muso si san, calon bedam ne l'allé tli wolum la sigi sigi ate sili ate sou. Oui muso follow follow. Muso flana la da krengran tu bale bolo le wolom la kalo be damela wala ma chama wala ma labana et puis flana abeseka joli fla différence long ni la da ni bana joli abeseko long ale be bunke kalo konona komi joli be nale la kalo dafanila loni ke bra doko adaka jati koro inflé kalo damnet le wolom la aboke ateseli atesun. Donc on avait joli une souris au reflet. Ka différence non, ka ici ka bo selima ani souma. E ka min tafla la, ibena lon ka do ka tablo makabet dalulu nya folla. Asabana muso min la da koro dot mabulo, bulum la nyoshi. Ani atme différence non manana nyina. Nyina na. Ale ra malon tuni atme tle wulum dalike wa wala matle woro wa. Aba kedi. Lorsque vous avez avec un jour un musso flé, donc musso chamanta la date de l'ouloum l'allé quoi est au drone sigabana musso groupe nana ou est demi sénile amoué mimi nana kanaka haïda est chez nous follow
Amina kuma fen laba min kasisan muso mbe banajol toy kiti jumele bala sharia ka mulu fale ka kunyala sharia ko ale sanyani ni ale te noro hakela le kiti la le parce que haida flete ala ko qur'ana ko yasaluna kanil mahid muhammad bin na yinni nga haida ka kunyala kul huwa adha afo kosoli noli ani toro rel fana nga banajol be bola muso mina Allez, tu vas dire, allez, Kassan. Nga kiti dobe, abdonne au moussouna, a te sanya totonni. Amour, ou les fosses, a follow, follow. Moussoumin, anga mousso kalte min fote. Le woulom la mimo si, voilà ma minta et le temps l'ouïe, voilà ma minta ka différenci long. Nu o wati mbana, abe janabako diagoya. Ga janabako keko kele, au coffre, a te kotouni. Ame exemple di misalia di muso yi ala ka lajara bini bana joli donc kalo kono tle bisaba be joli be bo alila nga akaka la ka korolo mi tle wulum dai kalo damnela na ko tle wulum dai ke ka ban abi janaba ko hal ni joli mi mena bo ala ato fletuni ate janaba ko tuni janaba ko ke ko kelen abana o ya ka kiti foloye akiti flana jago yale akasel gita seli bela Fajir ya besel gita Selifana besel gita Lansara besel gita Fitri ya besel gita Sarafo besel gita Pourtant Moussoumin ni otala Banajoli tala Nakasanu Haida tala Bangejoli tala Ale Moussou Diago ya teko Aka sel gita seli ben Tant que naka sel gita machin Anga minfo sel gita bondala Mie fono taboli Sugune taboli Sokofeta taboli Onam anga minfote Non, ma kèm moussou la kaba, moussou minga selgi da seli fana. Lan sara seli a ka selgi machin. Abe seli, a te selgi oulata. Men moussou min me banajoli toye. Ale kanga selgi da seli belle la. Don ole be diferencier ale ni moussou toye. Ou a flanaye. A sabana, ale moussou yin banajoli ton. Ka kon seli benye djago ya fwa yidou nyegena. Kata yere sanya kabo joli nina. Parce que joli me bola le la touma belle. Seli be a kanga yere sanya kabo joli nina kele. A flana ka yere tanga ka yere protéger une fois muso yere balonyami u kanga ke jaguya ananina yala aka chebe ska sama ka fu nyonga sala wala matisi loni ke ba u fana nyonga ko na loni ke ba famba ko chebe ska sama loni ke ba famba fe ala kra ka wati la muso ta ani loru wala mamin ka chano bana joli tumola Gala kira ma fo o che o mako kana se o ma. Mais comme nga wati la médecine développée là, gynécologue be ona nyona o. Ama fo le ni o la jara be souga muso soro avec ta gynécologue le voir. Muso ka dotro. Ale le bisika fo jeli me bolan na teni infection bala avec ka ile re che toro. Wala ma abe bola asababu min ka to abe bola muso la. Ni akra ni kafunyo akra biska muso nyere toro donc ale ka juger malé bien afon anyene kafunyo beke wala matike wala mani solution mi bi ale bisko fonyene ala ka famia jama nam o ko fe sisan loni ke bra do ka dara ni ka ma fo loni ke bra do parce que bete ko jelim me bola muso la kalu kelin dafani ka foka le sel dit a célibé ka fo ale do nyere na ka resa nya célibé aya ele protégé célibé no re ka te hal protection resa ni re o re fana warle kon ni ka ni be jati na abe jati degunye abe jati lonzoraye mim mato celi ka fo be da muso sugunye do o muso sugunye ska celi fana ni na na celi nyon fe ka fitri ni sa fo celi nyon fe ka fajil to dana Donc, au lieu d'avoir servi ta chaîne, l'autre clé qu'on a, avant ta chaîne, ça va, mais ça l'a voulu. Au lieu d'avoir donné un acaire, ça n'a pas chaîne l'autre, avant d'avoir chaîne, ça va. Donc, tu as un côté,
quand moi dans la toilette il y aurait quelque chose après ça t'auras la fait musulman donc ama fobo oyorona ama daga musoué kafo abe seli kafo seli fran lanzra kenyonga muso be kote ne banadulto le colé ka seli fran lanzra kafo ka fitri anisafo kafo ka fajir seli dana donc kiti dama dama ni tumbe kafo haida istihadon banadoli ka bonala ole tiyenye donc ni ngali be amna ni ngaluta haida ta bonala bangajoli ta bonala istihada ka bonala parce qu'en tlana o bonan belle la nala sona wati wore amena bon ni bonan na peu ka tra do sel la sisan al asola donc alhamdoulillah nous avons fini avec le chapitre qui concerne les femmes directement qui concerne les hommes indirectement qui est la menstruation la logie à l'istihada. S'il y a des questions, on va prendre. Et Inch'Allah, on va arrêter la séance ici. La semaine prochaine, on va maintenant avec le chapitre de la prière. On a quitté maintenant le chapitre des femmes. Non. Des questions? Il y a quelqu'un qui avait posé la question la semaine passée. Est-ce que c'est de vous? Est-ce qu'elle doit faire la prière, l'ablution chaque prière? Vous avez vu la réponse? Et c'est intéressant quand on dit la chose dans son moment. Voilà. Oui, il n'y a pas de questions. Monsieur Barry, pas de questions? Ok. Ou bien s'il y a des questions aussi concernant l'ablution, de façon générale, la grande ablution. S'il n'y a pas de questions, on arrête la séance ici, inchallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين